Eh ben on est parti pour 90 minutes de déconnade avec quelques copains. On a beaucoup ri, j'espère que vous en ferez autant. De toute façon, moi de mon côté, je vous souhaite une bonne soirée. Faut que j'y aille parce que je suis un peu à la bourre, mine de. On est parti. C'est quand même joli, hein. Ouais, ouais, on a bien fait de venir, on a bien fait, mais tu vois, quand même, à la Tour Eiffel, je suis déçu, hein, waouh. Eh, c'est la Tour Eiffel, le beau temps, les pigeons, tout ça, les belles voitures. Adieu, ma belle. Adieu. Oh, oh, ma belle. Qui c'est les plus forts? Les plus forts, c'est l'OM. Qui c'est les plus forts? Les plus forts, c'est l'OM. Aïe, 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 aïe. C'est drôle, mambo, hein. Putain, c'est drôle, mambo, ça hein. Ça sent le pognon, là, quand même, hein. Adieu, 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 Gary. Ça sent... Ah, putain. Celui-là, lui, oh. Alors, comment fait? Je me présente, Jean-Thibault Merguez de la Rotinerie. Ouais, c'est vous n'avez cause, pas hein. Entendu comme un léger bruit? Eh, moi, j'ai entendu un bruit, mais tu es devant, je suis derrière. Tu t'arrêtes, je freine, j'avance, forcément que j'ai entendu un bruit. Oh. Eh du midi. Ah, si vous le prenez comme ça, ça... Eh, qu'est-ce qu'il dit? Viens, il demande si on est du midi. Ah ouais, putain, il est perspicace, là. Dis-y-vous, dis-y-vous. Bon, bon. Dis-y-vous, on est du midi. Est-ce que vous venez de Marseille? Oui, Marseille. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande si on vient de Marseille. Ah ouais, 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 dis-y-vous, dis-y-vous, dis-y-vous. Si on vient de Marseille, on est un peu monté ici à Paris, quoi. Ah, Marseille, Marseille. Eh ouais, je suis désolé. Mais les petites femmes aussi, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il demande s'il y a des gonzesses à Marseille, le vieux port. Ah ouais, putain, les poids de l'épée, dis-y-vous, dis-y-vous. Oui, bien sûr que vous prenez les filles à Marseille. Attendez, je me souviens, il y avait une rue, la rue Tubano, vous savez, celle qui monte. Oui, je sais, je connais la rue Tubano. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande si je connais la rue Tubano. Si on connaît la rue Tubano, la rue qui descend. Oui, ou qui monte, ça dépend comment tu la prends. Attends, mais ça dépend, si tu la descends, si tu la montes, il faut la on va peut-être faire le constat. Attendez, oui. La rue Tubano. Bon, oh là là là, la rue Tubano, oui, oui, je me souviens, il y avait un endroit charmant, là, oui, la bah, boule d'or, oui. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Il demande si on connaît la... Oh, calme-toi, attention. Ah, tu me dis, je t'attends, moi. Il demande si on connaît la boule d'or, rue Tubano. Oh, putain, que si on connaît, on connaît que ça. Va, dis-y-vous, dis-y-vous, dis-y-vous. Bien sûr qu'on connaît la boule d'or, rue Tubano, Marseille. Rue Tubano, à la boule d'or, il y a plein de petites femmes, oui, avec la patronne, la mère Macrène, Madame Lulu. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Yeah, il dit qu'il connaît maman. On se calme, Mais non, non, c'est pas pour toi. Non, non, non. Je te le dis, je te connais, c'est pas pour toi. Si vraiment tu veux une fille,
sur mesure. Ah oui. Non mais spécialement pour toi, sur mesure, il y a un seul truc. De ma part, l'agence Denise. Denise. Si, tu vas de ma part. Je connais bien l'agence Denise. Non, tu me fais l'adresse ce soir. Sur mesure. Enfin, hey, quand même, oui, canon. Mais hein, c'est pas pour toi. Canon, canon. C'est pas pour toi. Bonjour. Madame. Marcel Dubizou. Moi-même. Pardon. Entrez. C'est l'agence matrimoniale Denise. Oui. Ben tant mieux. Je vais vous aider. Ben oui, on sera pas trop de deux. Voilà. Je cherche une femme. Ah. Ben, un peu de patience, voyons. Ben oui, pas trop quand même, hein. Madame Denise va vous recevoir. Ben elle est là pour ça. Elle vous attend. Pardon. Allez-y. Allô, allô. À bientôt alors. Pardon. Bonjour, madame. Cher monsieur, bonjour. Chère madame. Et bienvenue. Bien aimable. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Voilà. Eh bien, nous allons remplir tout de suite le formulaire. Bah tiens. Alors, votre nom? Marcel Dubizou. Ah, vieille noblesse française. Ah non, pas du tout, vieux prolétariat breton. Je vais l'écrire en deux mots, ça peut aider. Bah ça peut aider, si ça peut aider, ça peut aider. Votre hein? âge. Alors ça, c'est autre chose, hein, parce que ça me gêne un peu, vous voyez, parce que... Monsieur est coquet. Ben oui, un petit peu, hein. Mais vous avez 30 ans, vous paraissez tout juste 30 ans, que dis-je. Hors alors, taxe. Âge. Ben 30 ans. 30 ans. Cheveux. 2-3 sur la tête, là. Puis alors, là, hein, gros sur la langue. Cheveux très fournis. Voilà, cheveux fournis. Voilà. Les yeux. Ben, deux devant, l'un de chaque côté, comme ça. C'est la couleur. Ah, alors, c'est plutôt, ça tire sur le vert cacadois, vous voyez. Regard, animal. Voilà. Animal. Le nez. Épatant. Nez épatant. Épatant. Le sourire. Sourire énigmatique. Ah oui, vous voyez ça comme ça. Oui, absolument. Ah, vous en cachez des choses. Alors, la santé. Bien, bien, je vous remercie. Vous, ça va? Ça va très, très bien. Oui, non, moi, ça va. Ah, si, moi, enfin, j'ai toujours mes deux verres solitaires. Ah, mais ça va bien, bien, c'est une particulier, monsieur aime les animaux. Aime les animaux, oui, si vous voulez. Oh, ben, ça fait un moment qu'on est ensemble, alors forcément, ça crée des liens. Emploi. Sans profession, mais je cherche, hein, croyez-moi, je cherche. Et depuis longtemps, alors, nous allons mettre chercheur. Chercheur. Les femmes adorent, vous savez, elles adorent les scientifiques. Ah, elles aiment ça. Hobbies. Et aussi. Vos loisirs. Mes loisirs. Bah, en ce moment, je serais plutôt en train de repeindre la cuisine à ma tante Gottfordum, qui habite Paris, rue Barbès. Et puis, c'est tout, quoi. Oui, je vois que ça, moi. Bon, alors. Je récapitule. Oui, on récapitule. Peinture. Peinture, Godeform, flamande, Berbès, 18e. Monsieur aime la peinture flamande du 18e siècle. Voyez-vous autre chose à signaler? Ah si, je dors beaucoup. Je dors beaucoup. Méditation transcendantale. Méditation transcendante, sandales. C'est très à la mode, ça plaît beaucoup. Vous voulez une photo? Non, 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 vraiment pas. Non? Non, non. Je vais récapituler. Avec la pépette. Depuis une minute. Marcel Dubizou. C'est moi. 30 ans. C'est moi. Cheveux très fournis. Fournis. Regard animal. Animal. Nez épatant. Sourire énigmatique. Aime les animaux. Oui. Profession chercheur. Chercheur. Passionné de peinture flamande du 18e. Et méditation transcendantale. Voilà. Ça ne va pas être facile, bon. Je vous le dis, mais je vais vous trouver la personne qu'il vous faut. Bon, vous allez voir. Tiens. Vous avez juste à signer là et ça fera 7000 francs. Hein? Ça fera 7000 francs. Ça fera 7000 francs. C'est une plaisanterie. Oui, oui. Mais c'est une plaisanterie. Travail, 7000 savez... francs. Mais c'est du travail. Ah, mais écoutez, écoutez, franchement, compte, je vous amène tout. Je vous amène tout d'un coup. 1m70, un regard animal, un nez épatant, un sourire viril. Oui, mais j'ai pas besoin d'une agence matrimoniale pour chercher une femme. Je viens ici par charité. Mais comment, 7000 francs. Enfin, mais des voleurs, madame, des voleurs, enfin, permettez-moi de vous dire.
Mais nous, il n'y a pas de foot. Ça suffit. Couchez. On se tait. Qu'est-ce que c'est? Ne bondis pas. Crime, ne bondis pas. 7000 francs. Non, mais laissez-moi rire. Des voleurs. 7000 francs. Tiens. Ah, vous m'amusez. Agence Denise. Rien que le nom m'amuse. Ah, tiens, viens là, toi. Attention, les filles. Me voilà. Spécial Lacoste. Je vais être à la bourre, je suis sûr que je vais être à la bourre. Oh non, Thierry. Oh. Hey, attends-moi, tu vas où là? Là, je vais chez moi voir le match à la télé là. Oui, et tu pars sans moi? Mais non, je pars pas sans toi. Mais si, tu dis t'es à la bourre, t'es à la bourre. Ah oui, je suis à la bourre, je devrais déjà y être depuis une demi-heure. Tu sais, des trucs comme ça, je vais le dire à Lustig que tu pars sans moi. Mais en plus, c'est lui qui commande. File devant, je t'accompagne. Oui. Et puis en plus, faut que t'en aies bouffé à mon chien. Oh, allez, viens. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, c'est historique, c'est génial, c'est dément. En 25 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. Ce soir, la gaffe a fait un match fou. Il y a une ambiance, vous le voyez, c'est du délire. Pardon monsieur, pardon madame, excusez-moi, ça continue, je vais être obligé de me battre. On va aller voir tout de suite la gaffe, si vous allez le voir, il est dans un état parfaitement lucide. Il est dans son coin, il est en direct. Pardon, s'il vous plaît, pardon. La gaffe, tout de suite d'ailleurs, on va regarder tout de suite les images. La gaffe, les images, regardez bien ce qui s'est passé dans un match incroyable. Oh, Jean-Philippe Chapat. Non, Lustig, mon cher, la gaffe, Lustig. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Ouais, mais j'ai gagné. Enfin, je dis j'ai gagné, j'en sais rien, parce que quand le gong a sonné, je dormais, alors je peux pas dire. Vos premières impressions sur ce combat, arrêtez, s'il vous plaît, alors. Je sentais bien le match, moi. Dès le début, même au tout début, même avant le début, je me sentais fort, moi. Alors, le gong a sonné, je me suis levé, j'ai fait droite-gauche, gauche-droite, et quand l'autre s'est levé, ça s'est gâté. Vous étiez bien préparé, hein, franchement. Une belle condition physique, affûté comme jamais. Pourtant, je vous suis depuis très très longtemps. Oui, mais l'adversaire, déjà, c'était un noir. Et puis, un noir tape à l'œil, pas un noir discret. Le genre de mec qui a une revanche à prendre sur la société, comme si j'étais responsable, moi, des siècles d'esclavage qui viennent traverser. Alors évidemment, c'est pas drôle de ramasser du coton dans les champs à 40 degrés à l'ombre, mais il est pas obligé de rester à l'ombre. Et puis entre nous, s'il n'y avait pas eu le coton, on n'aurait pas eu le blues. Mais franchement, vous ne trouvez pas très sympathique ce Fred Routabagou, hein? Vous l'aimez pas trop, hein? Agressif. Attends. Le genre de mec. Bon, c'est vrai, la boxe, faut mettre des coups, mais il n'est pas obligé de viser la gueule. Et moi, je dis, avant de taper, on dit s'il vous plaît, et après, on dit merci. Sinon, c'est pas s'il ne le fait pas méchamment. C'est le bordel, hein, là, c'est le bordel. Ah, c'est incroyable, c'est de la folie. Bon, la gaffe. Et ce public, franchement, parlez-moi un peu de ce public, parce qu'il est assez extraordinaire. Le public, bien. L'arbitre, nettement moins bien. L'arbitre, c'était du parti pris, je le voyais. Tout de suite à côté, pour un oui, pour un non. Comme si je savais pas qu'après 1, 2, 3, c'est... 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors forcément, d'un côté, il y a le black qui m'avoine, et de l'autre, le mec qui fait les tables de multiplication. J'ai fini avec une tronche comme ça, moi. En résumé, vous êtes senti vachement seul, quoi, voilà. Ouais, je me suis senti seul. Parce que moi, le grand noir, j'essayais bien d'y mettre des pralines à droite, à gauche, surtout quand le gong sonnait derrière la tête quand il allait s'asseoir. Mais le problème, c'est que sur les noirs, les bleus, ça se voit pas, c'est déprimant. La décision, on va attendre la décision, parce que c'est un match très très serré. Franchement, ouais. Ça s'est tenu à peu de choses, hein. Et, écoute, moi, je suis assez surpris, hein. Écoute, Jean-Philippe,
Pustique. Pustique maintenant, d'accord. Mustique. Eh ben, je sais pas si je l'ai beaucoup frappé, mais j'ai tellement brassé l'air autour de lui avec mes petits poings qu'à l'heure qu'il est, il a dû choper une drôle de bronchite. Alors moi, je me dis, j'ai gagné. Bon, on attend la décision. Je ne sais pas si on l'aura ce soir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un match fou. Regardez le journal des sports ce soir autour de minuit et on saura si la gaffe a gagné ou pas. Merci, bonsoir et à très vite. Bah, on va au supermarché à côté. Vous allez où là? Bah, au supermarché, regarde l'heure qu'il est, il faut qu'on fasse les courses, nous. Non, il y a des trucs à faire. Ah, mais moi j'ai plein de courses à faire. Vous allez pas y aller faire les courses comme ça, Attends, je te pose des questions, moi. Non, il y a des scènes à terminer, il y a l'équipe qui vous attend. Et comment on fait les courses, nous? Eh ben, vous avez peut-être un copain pour les faire, vos courses. Ouais, j'ai un copain pour les faire, mais c'est super, merci. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait toute seule, celle-là, la pauvre fille? Ben, elle est toute seule, elle a même pas une fusée, il n'y a rien du tout. Oh, mais je l'emmène. Laissez voler les petits papiers. Pardon. Bonjour. Monsieur. Ça va, ça va. Les petites galettes. Nous avons le journal de la télévision. Nous avons le chip-chip. Et nous avons la couleur de sa toute. Alors, ça nous fait... Oh, bah, dites donc, ça nous fait 200 francs tout rond. Tout rond, petit patapon. Quoi? La sucette, j'ai oublié la sucette. Oh, c'est pas vrai. Alors, faites voir. Ah oui, mais elle a pas d'étiquette, hein? Ah, elle en a plus. Mais elle a combien la mini-sucette, hein? Que je sais, moi. Et puis vous l'avez déjà commencé? Ah bah oui, forcément, j'ai mis 2-3 petits coups de langue dans la queue. Hein? J'ai mis 2-3 petits coups de langue en attendant dans la file d'attente, mais vous êtes longue aussi, pauvre fille, alors faut attendre. Dis donc, Georgette, tu connais pas le prix de la mini-sucette, hein? Mais non, je sais pas. Ouais, de toute façon, ça m'aurait étonné qu'il sache quelque chose, celle-là, alors. Oh! Et avec ça, le préposé au sous-adjoint du chef de rayon qui est pas là. Si, bah si, il s'est cassé les dents de le bandit dont ce matin, en éternuant trop près du mur. Et vous y tenez beaucoup à votre sucette, hein? Ah bah forcément, c'est que je suis très attaché. Ah bah pas autant que moi, hein. On va aller voir le prix sur une autre qui est une étiquette. Alors ça va pas être possible parce que c'était la dernière toute seule. Les autres, elles sont bien collées les unes aux autres dans des paquets bien au chaud. J'ai pris la dernière toute seule. Bon, eh ben il faut aller voir le prix des paquets de mini-sucettes. Vous comptez combien il y a de mini-sucettes par paquet de mini-sucettes. Vous divisez le prix du paquet de mini-sucettes par le nombre de mini-sucettes et puis vous me dites combien ça fait pour une mini-sucette. Hein. Même pas pour une polytechnicienne, ce Denis, je suis quoi? Mais j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai pas fait les mêmes études que vous, mais faudrait pas croire. Moi, je sors d'un milieu très modeste, moi, madame. Oui, figurez-vous, moi, j'avais 9 frères et sœurs dans deux tuberculeux. Écoutez, je vais vous aider. Oui. Allez me chercher un paquet. Ah ben voilà, ça, je peux. Ben poussez-vous, vous. Oh. Bouge-toi, toi. Dis-moi petit bouton, tu bouges pas, je vais te suivre, là. Laissez voler les petits papiers. Mais pardon, toi, là. Oh, laissez tomber les petits papiers. Laissez... Oh, oh, oh. Mais c'est pas vrai, tu peux pas faire attention. Allez, viens, là. Ah bah oui, ben bah, je m'excuse, j'ai pas le prix de la mini-sucette. Oui, voilà, pardon. Pardon, bah oui, bah poussez-vous. Bah allez. Oh, bah alors, on se calme un peu, pardon. Voilà, bon, j'ai trouvé. Alors, ça nous fait 10 francs la boîte et y'en a 100. Y'en a 100. Oh là là, c'est pire que les chiffres et les lettres, ça. Alors, 10 divisé par 100, ça nous fait 10 centimes la sucette. Eh ben voilà. Ah ouais, mais ça va pas. Mais quoi, vous... Ah bah c'est moins de 20 centimes, ça. Oh, je peux pas vous faire un nouveau ticket pour ça, puis c'est trop tard pour le rajouter sur l'ancien. Oui, mais je m'en estampillon de votre tirage. Moi, je veux mon ticket et je veux ma sucette. Je sortirai pas d'ici sans mon ticket, ma sucette. Non, mais ça va, vous, oui. Écoute, attendez. Je reprends votre mini sucette. Voilà.
D'accord, vous l'avez un peu sucé, mais on va pas se prendre la tête pour ça. Alors. Et à la place, je vous propose pour 40 centimes, parce qu'à partir de 20 centimes, je peux vous faire un nouveau ticket. Une super maxi sucette géante longue durée. Mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop gros. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'une solution. Je vais vous la sortir, moi, votre mini sucette. Et sans ticket. Eh ben, voilà. Vous suivez jusqu'à la sortie, oui, ça vous va? Et finalement. Eh ben oui. Hein, elle est pour qui maintenant la bonne sucette? Elle est pour moi. Elle est pour qui? Elle est pour moi. Ça marche. Madame? Oui, pour déjeuner. Un couvert? Oui. Suivez-moi, je vous prie. Pardon? Merci. S'il vous plaît. Je vous en prie. Le menu, je suis très, très pressée. Bien sûr, madame. Voilà, tout de suite. Merci. Pardon. Alors, oh là là, il y a un choix important. N'est-ce pas? Bien. Alors, c'est quoi juste les feuillades de chlorophylle à ciselure éphémère avec coulis oléagineux et fermentine de raisin et gros... C'est une salade de laitue, madame. Oh, à 85 francs. Ah, permettez-moi de vous faire remarquer que la vinaigrette est maison. Dans ce cas, évidemment. Non, mais j'ai peu de temps. Je vais juste reprendre un plat. Dites-moi, le roupillon de lapin au queue de langoustine, c'est quoi exactement? Alors, permettez-moi de vous expliquer. Le roupillon de lapin, comment vous dire imaginez un lapin. Mm. Imaginez un lapin sur le plat que l'on a donc farci avec les queue de langoustine. Et pourquoi le roupillon? Je vous le refais. Vous imaginez le lapin sur le plat, on l'a farci avec des queues de langoustine, mais sans l'avoir réveillé. D'où le roupillon. Ah, évidemment, évidemment. Non, mais ça me tente pas, non. Sinon, les riz de veau à l'ancienne, ils sont pas trop anciens quand même? Oh, madame, je vous en prie, s'il vous plaît. Non, vraiment, ils sont très propres, très propres, très propres, bon, très propres. Je vous crois. Très propres, j'ai très quand propres. Même une légère appréhension. Bon, alors, voyons. Que diriez-vous d'une bavette à l'échalote? Oh, non, une bavette à l'échalote. Ça me rappelle mon petit neveu. Quel sillon, celui-là, vraiment. Et un poisson. Non, dites-moi, par curiosité, là, je vois les rognons gratinés à la moutarde. Vous n'avez pas trop de mal à les faire gratiner, vos rognons? Oh, non, vraiment? Non, parce que j'ai essayé avec mon mari, nous ne sommes pas... Rien du tout. Je vois ça, ça arrive. Mais permettez-moi d'insister sur le poisson et croyez-moi que la cassolette de filet de sole aux pâtes vertes, je vous la recommande. Aux pâtes vertes? Aux pâtes vertes, madame. Alors, c'est une curiosité très rare. Moi, je ne connais que la sole classique, la grosse sole avec ses nageoires. Non, écoutez, je vais prendre... Voyons, c'est quoi juste le cardinal des mers au jardin d'Allah? Homard. Ah ça, le homard, je ne supporte pas. Moi qui suis une adepte de la non-violence, cette grosse bestiole avec ses pinces-là, non. Mais on peut vous le désarmer, si ce n'est que ça. Non, c'est pas la peine. De toute façon, le homard a une cruauté dans le regard. Non. Écoutez, je suis très pressée, je vais prendre... Tenez, donnez-moi un chapon aux étrilles et moules farcies. Voilà. Un chapis aux étrons de foule marcie. Vous avez bien fait de ne pas prendre le queue de neuf au couille. Le fouille, au mouille, au nouille, au... Après, fromère ou dressage? Non, fromage ou dessert? Non, très très vite, donc un express et puis voilà. Rien, un express. Voilà, c'est parti. Un café pour la 2 et l'addition de la 4. Non, le menu est très bien, mais le service laisse un peu à désirer quand même. Ouais, je suis là. Où? Là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'apprends mon texte, tiens. C'est bien. Merci. Il est où, Guy? Ben, Guy, à cette heure-ci, il doit être au golf, forcément. Guy Lux au golf. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais il y va presque tous les jours, hein. Tu sais, il a que ça. Oh, je le crois pas, mais on a que ça à foutre, peut-être. Ben, oui. Guy! Putain, trouvez-moi, Guy! Ah, ouais, je sais.
Waterloo. Vous là-bas, oui, you, jeune homme, apprenez une chose, c'est qu'au golf, généralement, quand on vise un trou, c'est que dedans, il y a un drapeau. C'est pas mal, ça, tiens. Encore un qui a eu raison d'aller voir le docteur Tartemolle. Ça, c'est bien consolidé, ce truc-là. Voilà. Voilà, je veux tenir. Bon. Eh bien, celui-là, on n'est pas prêt de le revoir. Ou alors, s'il revient, c'est les pieds en avant. Voilà. Docteur Degenot. Voilà. Ouais. Excuse-moi, je peux vous déranger. Bonjour, monsieur, oui. Duflon. Non, ah non. Oh, ben voilà, ça y est. Oui. Non, mais... Vous avez vu l'eczéma, hein, oui. Monsieur Duflon, terminez l'eczéma. Non, là. Ah là, oui, là. Oui, voilà. Terminé, fini. Vous avez vu que mon traitement, impeccable. Oui, impeccable, impeccable. Non, c'est... Ah non, pas Duflon, moi. Ah non, moi, pas Duflon, monsieur. C'est sacré, moi, je m'occupe à Mokhtar. Et j'arrive que le taxi est là. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? De quoi? De Mokhtar, moi? Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Ah, oui, alors, monsieur Mokhtar, moi, ce que je vous conseille, c'est pour éviter que les petits gratouillis, vous savez. Les gratouillis. Les gratouillis. Mais les gratouillis avec l'eczéma. Pour éviter que ça reprenne, je vais vous donner une pommade, un petit calmant. Oui, non, non. Et bien, moi, c'est oui, d'accord, mais c'est surtout que je vais. Et vous, rien d'autre? Non, si, parce que moi j'étais d'autre côté. Ah, dites donc. Oui, quoi donc? La fièvre. Ah non, vous. Non, moi je l'ai pas. Vous êtes en train de me prouver quelque chose. Que non, vous avez des complications. Qu'est-ce que c'est? Allez, mais il va tout me toucher. Pardon, tout... Non, mais non, c'est moi ici. C'est moi là. Allez, ouvrez la bouche, comme ça vous ne parlerez pas. Possible. Non, mais c'est pourquoi. Vous avez pas la langue de bois, vous, au moins. Hein? Voilà. Et voilà. Et vous savez ce que vous. Alors, vous savez ce que vous avez dans vos amygdales? Non. Eh bien, vous avez une laryngo-amygdalo-rétroversée. Oh, pétain, c'est le bordel. Ouais. Eh bien, vous savez ce qu'il va faire? Eh bien, vous allez prendre. Allez, je vais vous préparer une petite décoction. Allez. Petite décoction, là. Voilà, petite décoction. Oui. Vous allez me prendre de l'eucalyptosorbitol. Sorbitol. Matin et soir. Tous les jours. C'est perdu. Oui, non, c'est pas. Oui, je tousse comme ça, mais je tousse de temps en temps. Allez. Non, mais moi, c'est parce que j'étais viandé, là. Non, mais taisez-vous. Oui, bah, si vous parlez, on ne peut rien écouter. J'ai derrière. Allez. Oh là là, que j'aime pas ça. Oh, que c'est plein. Oui, c'est assez plein. Vous savez ce que vous faites? Non. Eh bien, c'est une grosse alcalose respirato-pleurale surinfectée. Oh là, surinfectée. Surinfectée. Oui. Elle est infectée, puis voilà. Par-dessus, elle est encore mieux infectée. Eh bien, on va remettre. Vous savez évidemment. Ce qu'on va voir? Ah non, allumez pas ça. Allumez pas ça. Emma. Non, c'est pas possible. Allez. C'est de l'autre côté. 64 en intraveineuse. Ah non. Et vous savez ce qu'on va mettre dedans? Ah non. Eh bien. Du diméthylhydrazine dissymétrique. Là, dissymétrique, ça va vous booster. Ah oui, dissymétrique. Et en intraveineuse. Non, pas en intraveineuse. Et vous? Non, écoutez, non, c'est pourquoi, non, parce que moi, je viens de... Non, écoutez-moi, docteur. Mais j'écoute. Alors, non, écoutez. C'est moi qui écoute. Vous savez, vous avez des tremblements. Vous avez-vous tremblé? Oui, un petit peu. Vous avez la trouille? Vous avez peur, hein? Oui, j'ai nerveux, surtout, j'ai nerveux. Vous êtes très nerveux. Eh bien, vous êtes... Oui. Pardon, voilà, oui. Voilà. Non, vous savez ce que vous êtes en train de me faire, vous? Oui, et ça, c'est grave. Oui. Vous êtes en train de me faire une fibrillation artéro-cutanée indélébile. 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 Bert. Mais non, c'est moi, c'est oui, moi. C'est, oui, c'est lui. Bert. Mais non, c'est Bert. Oui, Bert. Vous savez ce qu'il a? C'est grave. J'ai une amygdalo surinfectée d'un pleural comme ça. Il aura la mille infection qui est là. Oui, vite. Non, et alors, c'est ma femme. C'est pour faire. Oui, non, là, ça va bien, là. Là, c'est joli. On se détend. Alors, là, on est détendu. Ah, là, détendu. Complètement détendu. Et ma femme, non, c'est pour ma femme. Il faut s'en occuper de votre femme. Oui, j'ai confiance. Non, mais il faut s'en occuper tout de suite maintenant. On lui téléphone. Non, il ne faut pas téléphoner. Il faut y aller tout de suite. C'est pourquoi elle va coucher. C'est moi qui vais y aller. Il va y aller avec l'ambulance. Voilà, avec l'ambulance, parce qu'elle va coucher. Peut-être elle va nous faire un petit, elle va nous faire le doublé, elle va nous faire le triplé. Ben oui, elle va coucher parce qu'elle avait. Vous savez, ça fait des complications. Qu'est-ce que c'est? Elle va faire des complications. Une amygdalo-vaginale tamponnée. Elle a une seule. Vous ne pouvez pas me dire plus tôt, non? Mais depuis tout à l'heure,
dire, j'essaye de vous le dire. Alors évidemment, moi de l'autre côté, j'arrive, je laisse le taxi, il est en bas, j'arrive, je frappe la porte, il est en train de choper la radio, puis un Kodak. Alors vous, moi j'arrive, l'autre il me dit que j'ai une condition articulo-fréboscopique des bulles de la globe avec un traitement eucalypto-pharyngol. Alors évidemment, moi j'arrive pas à vous le placer, moi. Alors de l'autre côté, l'autre il me dit qu'il y a la paraphrasatique de la convulsion rétracto-percutanée des libides. Et maintenant, ma femme, elle va faire un comment c'est, il a dit, un amygdalo vagital tamponné, c'est le merdier. Non, faut aller voir ma femme. Hein? Docteur. Docteur, où il est? Il n'a pas pris l'adresse. Non, ma femme, il n'a pas pris l'adresse. Il est con, lui. Il est con. Docteur, allô, docteur, il n'a pas pris. Berthe, Nadine, Berthe. Où elle est, saloperie? Berthe, docteur, ah, l'adresse. Ça n'avait pas pris l'adresse. Vous pouvez vous asseoir, l'audience est ouverte. Première affaire, affaire Marcel Dubizou. Monsieur le juge, je reconnais entièrement les faits. Il est vrai que dans la nuit du 28 au 29 juin, j'ai grillé le feu. Je l'ai fait sciemment et je regrette, et c'est la première fois que ça m'arrive, monsieur le juge. Geste irresponsable qui aurait pu entraîner la mort de quelqu'un. 3500 francs. Il n'y avait pas un chat dans le quartier? 4000 francs. Monsieur le juge, comprenez-moi, je suis au chômage. 5000 francs. Pitié, monsieur le juge, pitié. Je suis Clément. Hey. 6000 francs. Le règlement, c'est le règlement. Merci, monsieur le juge. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le juge, votre honneur, monsieur le président de la cour, monsieur le juge, pardon, merci beaucoup, monsieur le juge, merci beaucoup. Merci. Baba. Affaire suivante. Affaire Mokhtar Saadi Boudiaf Boulaïd. Sacrawash Mokanaha Mokhtar, c'est moi. Bonjour, monsieur le juge. 3500 francs. J'ai pas commencé à raconter l'histoire. 4000 francs. Hey, qu'est-ce que tu dis, les conneries, là? Attends une seconde, là. Pourquoi c'est moi, les... Outrage à magistrat! Faites sortir le prévenu! Le règlement, c'est le règlement. Saloperie de juge, Nadine, saloperie de ta physionomie. Tu vas voir, t'as de la chance d'avoir le pot de chambre sur la tête, hein, Nadine, avec la robe de Père Noël. Adle-moi, fais-le voir, allez-y, avec le marteau et tout, là. Nadine, ta physionomie. Y'a la poule, à repos la taille. Si tu t'as ouen, à ouen les yeux. Va voir ta mère, Nadine, elle a fait du flanc et à bout. Affaire suivante, affaire Gilbert Lingot. C'est à moi. C'est à moi. Mais c'est à moi. C'est juge, monsieur dame. Oui, c'est juge, je tiens à vous dire qu'on frise l'erreur judiciaire. Parce que j'avais pas bu. Vous n'aviez pas bu? Non. Par contre, j'avais soif. Très soif. Et c'est là le problème, parce qu'en me retournant, pour prendre la bouteille ici sur le siège arrière, j'ai raté le feu. Ça a été la catastrophe, la catastrophe, parce qu'en percutant le réverbère, j'ai cassé la bouteille. C'est criminel! Rendez-vous compte, du whisky, 12 ans d'âge. Vous verrez, je vous en ferai apporter une caisse. Deux caisses. Évidemment, si le prévenu n'était pas ivre. Acquitté. T'as changé à la marche? Oh! Monsieur, voulez-vous accompagner, monsieur? Pardon. Affaire suivante. Ah! Affaire David Benguigui. Ah, et un ami, tu vas voir. Dis-moi comment tu vois la mine que tu as sur ma vie, les yeux des enfants, le chapeau, il te va bien, hein? Et alors? Oh, bon, alors, Benguigui,
excès de vitesse aujourd'hui. Hé, comment il va les gros mots, lui? 210 km/h sur le passage scouté, à quelle heure, excès de vitesse? Qui, hein, à part la vieille, le gamin et le chien, tout le monde avait traversé, hein, sur ma vie. Même eux, ils ont trois fois rien, pas grand-chose, une broutille. Oui, oui, enfin, ils sont quand même hospitalisés. Alors, je suis forcé. 4000 francs. C'est faux! Il est faux! 4000 francs, si c'est pas malheureux de donner 4000 francs à l'État, qu'on sait même pas ce qu'il va en faire sur ma vie. Les jeunes des enfants, la vie t'a t'arrachée, si m'écoute, elle se retourne dans la tombe. Hein. Moi, avec 4000 francs, je vous fais le costume. Moi, il y a le costume. Trois pièces, alpaga tergale, nébulon, il y avait le collier rondelle et les coutures surpiquées. Non. Acquitté. Alors, j'ai mis, il faut être de 100 ans. Oui, bon, mardi soir, hein, après 17h. Hein. Allez, j'ai mis les chapeaux, là. Embrassez Simone, hein. Mille! Ça va, c'est réglé, c'est réglé! Affaire suivante. Affaire Jean-Yves Gratounot. Bonjour! Oui, bon, n'allez pas plus loin. 5000 francs. Oh, 5000 francs, mais comment il va, lui, 5000 francs? En nature, j'espère. Bon, allez, acquittez! Acquittez! Oh, quelle mauvaise joueuse! C'est toi qui fais la queue. Attention. C'est toi qui fais la tarte, elle est bonne. Hein. Non, c'est pas moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'à Sacrée Soirée, vous aviez une nouvelle rubrique que t'avais abandonnée, Fissa, Fissa. Oui, oui, oui. Oui, c'est une rubrique qu'on a fait comme ça une fois. Enfin, on la refera pas deux fois. Comment ça? C'était quoi? La tombola. Une tombola? Ne m'en parle pas, ça m'énerve. C'est une tombola. On voulait faire plaisir à plusieurs personnes, et puis on a eu tort de vouloir faire plaisir à plusieurs personnes. C'est la tombola. C'était la tombola, c'est plus la tombola. Voilà. Ah ouais? Venez. Tu préfères ne pas en parler? Je préfère ne pas en parler. Une bonne tarte. J'ai bien fait de t'en parler. Mais ça m'énerve. Ouais. C'est fini. Je vois. Mange la tarte. Désormais, chaque semaine, la participation de Nathalie Simon. Nathalie. Bonsoir. Nathalie, vous avez désormais une lourde responsabilité, vous le savez, puisque chaque mercredi, vous faites trois heureux. C'est la tombola. Chacun d'entre nous... Vous ne parlez pas? Si, bonsoir Nathalie. Vous allez bien? Ça t'inquiète. Chaque mercredi, nous offrons à chacun d'entre vous, mesdames, messieurs, un numéro de tombola, qui va être effectué maintenant. On commence tout de suite par le troisième prix. Alors, allez-y. Alors, trois heureux, le troisième prix, peut-être vous, ici, dans la salle, il s'agit du numéro 79. Le numéro 79. 79, s'il vous plaît. 79. Il est de l'autre côté, non? 60. Ah. Non, monsieur. Il est timide. Ne soyez pas timide. 79, vous êtes le grand gagnant. Du troisième prix, vous pouvez l'embrasser. N'ayez pas peur du tout. Bonsoir, monsieur. Il est très timide. Oui, vous allez bien? Oui, mais je crois pas. Si, si, c'est la première fois que vous gagnez un jeu, une tombola? Oui, 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 oui. Je suis désolé, ça n'est que le troisième prix, mais enfin, je vous félicite quand même. C'est la première fois que vous venez également ici chez nous à Sacrée Soirée? Non, c'est pas la première fois. On va embrasser Nathalie pour voir un petit peu. C'est la première fois, là, je suis certaine. C'est la deuxième fois, là, puisque je vous ai vu l'embrasser. Hein. Monsieur, le numéro 79, vous venez de gagner le troisième prix de la tombola. Il s'agit de cette superbe Chevrolet Impala. Elle est à vous. Allez-y, monsieur. Non, mais vous vous rendez compte? Ah là là, elle est super. Votre chauffeur vous invite à vous asseoir, claque la portière de cette voiture toute rose qui est désormais la vôtre. Et vous vous rendez compte le cadeau que vous venez de faire? Oh là là, elle est vraiment... Elle il est peut-être célibataire. Hein. Alors, je vous laisse. Hein, non, mais restez avec moi. Restez avec moi, d'autant qu'il y a maintenant le deuxième prix. Alors, attention. La tombola continue avec le deuxième prix. Allez-y, Nathalie, vous tirez au sort du deuxième prix. Il s'agit du numéro 286. 286. Ah! Ça se voit en tout cas. Venez nous rejoindre, monsieur.
Le numéro 2, venez monsieur, le numéro 286. 286. Allez, va-t'en, regardez, va-t'en. S'il vous plaît, monsieur. J'ai gagné la voiture, allez, j'ai gagné la voiture. J'ai gagné la voiture, va-t'en. Simon, Simon, on a gagné la voiture, on a gagné. Non, revenez, donne-moi les clés. Jean-Pierre. S'il vous plaît, monsieur. On a gagné la voiture. Non, venez, attendez. J'ai gagné la voiture. Tiens, reprends la tâche à toi, Nardin. Venez, monsieur. Qui j'ai gagné? Le troisième prix, c'est une voiture américaine. Le deuxième prix, c'est moi qui s'en a gagné. Le deuxième prix, ça va être la maison, le tennis, le golf, monsieur. L'hélicoptère, le porte-avions. Allez. Oui, monsieur. Vous êtes le numéro 286. J'ai beaucoup de plaisir à vous offrir le deuxième prix de cette tombola de Sacré Soirée. On va demander, regardez, si vous voulez, regardez par là-bas. Oui, justement, regardez du côté de la voiture. David, regarde la réussite de ton père. Regarde comment on fait. Regardez, et dans le coffre, votre cadeau, il s'agit d'un cake. Un cake magnifique. Je comprends votre émotion, monsieur. Eh oui, il s'agit d'un cake. Alors, réaction tout de suite. J'ai gagné un gâteau. Oui, un cake avec des fruits confits, un cake avec de la farine, de l'eau. J'ai gagné un gâteau avec le bordel de toutes les couleurs dedans, là. Du sucre, des... Simon, pourquoi on a pris un ticket de tombola là? Dis-moi la vérité, les yeux des enfants, la vie t'attarachène. Si elle m'écoute, elle se retrouve dans la tombe, là. Non, mais... Monsieur... Ah, là, le troisième prix, c'est une voiture américaine. Le deuxième prix, c'est un gâteau. Mais qu'est-ce qu'il y en a carré, moi, du gâteau? Monsieur, vous le gâteau, vous quand je... Mais il est fou, Foucault, il est fou, mais ils sont fous, Sacré Soirée. Alors, ils te font venir, ils te donnent le ticket, ils te donnent un gâteau. Nous sommes en direct pour Sacré Soirée et un candidat heureux vient de gagner le deuxième prix. Moi, le gâteau, quand je l'ai mangé, ce biwalou, il n'y en a plus. Lui, avant qu'il mange la voiture américaine, il va se refaire tout le portail. Monsieur, laissez-moi terminer. Ce cake, monsieur, n'est pas n'importe quel cake, car, et c'est le cadeau numéro 2... Ouais, c'est un cake qui me parle là aussi. Non, monsieur, vous avez gagné ce cake qui a été fait par Nathalie Simon. Simone, va faire un quête tout de suite à la cuisine, manade. Et alors, c'est elle qui a fait la voiture américaine aussi, c'est elle qui a fait la voiture américaine. Le troisième prix, c'est une voiture américaine, le deuxième prix, c'est un quête. Mais le quête qui est fait par les mains de Nathalie, que j'ai acquéré, moi, Nathalie, je la prends, je la retourne, je... Ah, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier prix, monsieur. Ah!
l'arrestation de M. Dolphin et Rodon entre en gare non pas au quai 17, mais au quai numéro 1. Et dans. Attends, je vérifie. Au purée, dans 5 secondes. Il arrête tout cet enfoiré de gardien. Alors, on va bien finir par lui en mettre une, là. Oui, non, encore pas. Pas, oh, puis ça, quand ça. Ah. Le poteau, le. Oh, mais allô? Papin, il va en mettre une. Papin, ou quand Thierry. Oh, oh. Ah, bah, d'où tu es fou, toi? Oui. Dis-moi, ah, non. Non, excuse-moi de te réveiller, là. Non, mais... Vincent, non. Écoute, t'es gentil. Je dors pas de la nuit. Je suis crevé. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma femme est somnambule. Voilà ce qui m'arrive. Et je ne dors pas de la nuit. Alors, t'es gentil, tu me laisses ta dormir. Ta femme est oui, somnambule. Ma femme est somnambule. Et tu me laisses dormir le jour. Quelque part voilà. Que ta femme soit somnambule, oui. Et puis, ça en plus, m'arrange. On n'arrive pas à marquer un but et tout. Là. Oh là 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 là. T'es de ma réveillance. Oh merde. Oh. Allez! On va finir, non? Allez. Pan! Voilà. Et pan! Je crois que effectivement le grand soir est arrivé et que ce soir sur le coup de 10 heures, eh bien c'est une grande grande joie qui va enrober le cœur de tous les Français. Donadoni. Allez, on y prend, on se bat, on se bat. Mais non, mais qu'est-ce qu'il dit le commentateur? Mais je crois pas, il est mauvais le commentateur, mais il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Oui, il a été joué. Thierry! Les bébines, tu les bois ou tu nous les amènes? Eh, ouais, ça vient, allez, ça vient. Donne-lui, donne-lui, donne-lui. Ça vient. Ça vient. T'es gentil? Tu fous pas. D'abord, tu fous pas mes coussins en l'air. Mais non, mais c'est la guerre, là. C'est la guerre sur la pelouse, là. Tiens. Merci. Et puis allez. Tu. Et puis... Regarde-le, 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 stop. Et attends, et tu gueules pas trop fort parce qu'il y a ma femme qui dort derrière. Allez, Jean-Pierre! Allez, Jean-Pierre! On y va! On la dégueule! Ouais. Viens. Et attends, et allez. En plus, on y donne. Non seulement tu vas la réveiller, oui. Mais deux yeux, je vais me faire engueuler. Ça va parce gueuler. Que t'as vu le tapis. Ça, moi, je vais foutre, elle va gueuler. Hey, tu nettoies. Allez, hein. Allez. Tu nettoies avant de te casser, hein. Allez. Oh, oh. Oui. Viens. Oui. Non. Oui. Non. Oui, oui, laisse tomber. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est pas grave. Elle est somnambule. Elle est somnambule. Oui, je t'explique. Je t'explique. Elle est somnambule. Et il faut pas la réveiller parce que si on la réveille, elle peut caner raide. Quoi, elle peut claquer. Raide. Alors. C'est intéressant. Oui. Et je fais quoi avec mon pull? C'est pas grave, ton pull, je te le rends demain. Le pull? Demain, le pull, promis. Tu me l'as? Demain. Demain. Super, oui! Bien, mon Fabien! Ah, allez, bien, mon Fabien! Ça, c'est allez, bien. Oui. Allez, oui! Allez! Mais on va pas se faire emmerder par des ritards, reste assis. Reste assis! Bien joué! Ouais! 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 Arrête! Ouais! Mais non, il n'y a pas faute. Mais il y a faute. Mais qu'est-ce que tu connais au foot? Mais attends. Mais attends. Allez. Non, attends, non. Je t'ai dit, c'est ma femme, c'est pas grave. Bien joué. Et dors. Non, on va s'arrêter là. Il vous paye pas pour... On va s'arrêter là, madame. Non, non. Demain. Demain, demain. Je te rends tout demain. Les pompes. Je te rends tout. Le t-shirt, les pompes, le pull, tout. Je te rends demain. Mais...
Non, mais attends, monsieur... Mais c'est un enfoiré, cet arbitre. Oui, alors, Poupouille, hein, mon... Mais c'est un gros enfoiré. Oh, merde. Oui, non, mais... mon pull. Demain, je te rends ton pull demain. Je te rends ton t-shirt demain, et même peut-être, par faveur spéciale, je t'achète une paire de chaussettes. Je suis pas sûr de revenir demain. Oh là 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 là. Allez. Non. Mais ça pue, ça... Mais y'a faute, là. Y'a faute sur Deschamps, là. Et bah putain, il lui donne un carton. Non, moi, je joue plus, là. Non, madame, ah, mais c'est pas vrai. Non, madame, moi, mais laisse tomber, pas c'est là. Pas grave. Non, non, je... Non, c'est non. Pas grave, c'est pas grave. Allez, ouais, ça, oui, voilà, on va au bout. On va... C'est un coup... Thierry, je fais quoi, là? Ouais, Thierry. C'est pas grave, c'est ma femme. Oui, c'est ma femme. C'est... Bien joué. Bon, alors, tu la réveilles pas, il reste 20 minutes. Demain. 20 minutes. Je te ramène ta femme demain. Oh là là là. On mène toujours à zéro, tu fais pas de soucis. Juste pour la fin, je l'ai... Ouais, 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 on mène à zéro. Je fais les prolongations. Voilà. Voilà. Vas-y, attaque. Bien joué. Excellent, ça, excellent. On garde la balle, on ne peut pas. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry, bravo. Fait, Thierry, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Il est peinard, hein, il comprend rien du tout au foot, ce gars. Mais rien du tout, du tout, du tout. Monsieur. Voilà, va falloir encore poireauter, genre de ça. Et tous ces gens qui doivent passer devant moi, là. Bon, attends, attends, tu vas voir, attends. Bouge pas. Qu'il est entré, le mec avant, là. Ça m'a vous parlé, je suppose. Non, non, c'est voir si le parapluie répond à des quoi. Il y a combien de temps qu'il est rentré, le mec avant nous, là? Ça fait une bonne demi-heure, je crois. Ah ouais, merci. Eh ben, une demi-heure par péché, on n'est pas couché. Vous attendez pour le toubib, vous aussi? Eh oui. Vous allez nous faire une descente d'organes, là, hein? Ça doit mal se passer, là. Pardon? Je dis, ça doit mal se passer à cause de la prise de sang. C'est lui qui fait les prises de sang? Ah, toujours. C'est un excellent médecin. L'année dernière, sur 8 hémorragies, il en a sauvé 2. Quelles hémorragies? Ben, les hémorragies rapport aux prises de sang. Forcément, c'est pas sa myopie qui est gênante. Je vais vous dire, c'est plutôt la maladie de Parkinson. Alors forcément, il manque la veine une fois, deux fois, puis après, la veine, elle est toute déchiquetée. Et tenez-vous bien, en 10 ans d'expérience, pas un accident d'anesthésie. Ah, ça, il est totalement contre. Il est contre les accidents, bien sûr. Non, l'anesthésie. Ça veut pas dire qu'il opère sans endormir. Ben si. Il prétend qu'on voit mieux les réactions du patient. Et comme il dit, hein, un bon baillon, et hop. Vous le connaissez bien, c'est votre médecin traitant, non? Ah, je le connais, oui, il y a longtemps, mais c'est pas mon médecin traitant du tout. Je suis le représentant des pompes funèbres en bas. Alors pensez si je le connais. Oh, 10 ans que je le connais. Quel médecin. Ah! Non, 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 je n'ai plus le temps, je suis désolé, je cède. Non, je cède mon rendez-vous à monsieur. Non, 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 j'ai mon bain qui coule. Excusez-moi, au revoir. Cap, cap, cap. Bon, au suivant. Eh ben voilà, je crois que c'est moi. Mais il y avait des gens avant vous ici. Oui, mais ils ont pas attendu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la maladie du siècle, ça. Les gens peuvent plus attendre. On y va? On y va. Eh ben allons-y. Et clap your hand, clap, clap. Clap your hand, clap, clap. Clap your hand, clap, clap.
tas de contresens. Mais il est complètement dingue, ce type. Oh, il y a vraiment des gens distraits. Hein. Bulletin spécial. Écoute. Attention à tous les automobilistes, on nous signale qu'un conducteur distrait roule sur l'autoroute A6 en contresens. N'importe quoi. Les gens conduisent de plus en plus mal. Hein. Ah, je te jure. Attention, soyez vigilants. Le conducteur fou roule toujours à contresens. Imbécile! Connard! Abruti! Comme s'il y en avait qu'un qui roule à contresens! Tu dis n'importe quoi! Danger public, quoi! Michel, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis en train de faire un super carburant pour Superfusée. Tu veux voir comment ça marche, ça? Ouais, ben va pas nous faire péter le labo, hein. Non, mais attends, reste non, là. Non, mais faut que j'emmène ma femme aux anges. Ah, je... attends. Qui c'est qui a laissé les clés du labo à Michel, là? Ça va pas ou quoi? En train de te drailler, allez. Oh, mais tu rigoles. Mais tu l'excites, mais tu l'excites, regarde. Fais-lui voir tes genoux, je t'ai dit. Fais-lui voir tes genoux, vas-y, Odé. Regarde, fais-lui voir tes cuisses. Non, mais ça me gêne. Mais t'en as faux, y'a personne. Fais-lui voir tes cuisses. Allez, mon. Regarde là. Ah, gros cochon, va t'affiner, ouais. Fais-lui voir tes seins. Fais-lui voir le décolleté. Montre-lui ton décolleté. Regarde, ça l'excite. Dégueulasse, là. Tiens, viens, je vais te montrer un peu. Viens voir. Mais non. Mais si, viens voir. Regarde. Regarde-le, il est tout excité. Oh, mais non. N'aie pas peur, c'est mais pas dangereux. Mais si, mais tu non. vas voir. Vas-y, mais rentre. Non. Mais regarde. Dis-lui que t'as mal à la tête, maintenant, comme d'habitude. Dis-lui que t'as la migraine. I love you. Je te rappelle. Oui. Ah. Tu veux un seau d'eau? Quoi? Oh! Je te vois comme ça, là. Oh. I love Mais attends, you, je suis amoureux. Encore? Oh, c'est super, les mecs. Hein. Et tu la rencontres, cette fille, elle est... Hein? Lova, hein? Elle s'appelle.
Bonjour, madame. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je peux peut-être vous aider. Allez, montez, il y a un garage un petit peu plus loin. Venez. Oui. Ah, je... Non, je ne sais pas. Pardon. Merci beaucoup. Merci. J'habite pas très loin. Vous voulez qu'on s'arrête chez moi? Oui. Maintenant, là? Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas. Non, c'est parce que moi, j'étais tombé, alors il y a... Oui? Mais on y va ou quoi? Bah, ce sera sympa, ce sera super. Oui, ça, c'est sûr, ça va être simple. Je voudrais pas déranger, mais quoi. Vous me dérangez pas du tout. Et puis vous verrez, vous ne regretterez pas. Cher ami. On est chez vous? On est chez moi. C'est tout à vous? On est chez nous. Bonjour. Bonjour. Allez, ne soyez pas gênés, venez avec moi. Voilà, mettez-vous un petit peu à l'aise. Oui. Vous voulez que je vous offre un drink? Oui, je veux bien. Je peux le servir si vous permettez. Bon, ben, je vais aller mettre un petit peu d'ambiance, comme ça, vous vous sentirez mieux. Oui. Santé. Vous ne regrettez pas d'être passé chez moi? Ah, du tout, non. Bon, alors moi, j'allais me mettre un petit peu à l'aise. Oui. Vous pouvez aller piquer un petit plongeon dans la piscine. Me baigner. Et tout ira bien. Ben oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Baigner, baigner, baigner. Thank you.
Avec quoi t'as fait ça? Avec de la craie bleue. De la craie bleue? De la craie bleue! Donne-moi un bout de craie bleue, donne-moi un bout de craie bleue, donne-moi un bout de craie bleue. Donne-moi un bout de craie bleue. Merci, ma pupus. Au revoir, monsieur. Hey, c'est Pépère. C'est gentil. C'est gentil, cher. On se tait. On se tait. Voilà. On fait gentil. Tu te bats. Non, tais-toi. Tu t'écoutes. Comme le déco. Oui, non, déco. Alors maintenant, Rambo, ça suffit, tu sors par derrière. D'où tu viens? Écoute, Momone... Qu'est-ce que tu fais là, dans la porte? Oui, attends, je vais t'expliquer. Je peux tout t'expliquer, Momone. Là, je suis coincé. Aide-moi. C'est une chose, mon Dieu. Hey. Ah. Attends. Aide-moi! Aide-moi! Oh, chouette! Alors maintenant, tu vas me dire d'où tu viens. Ben, du bureau, hein? Oui, enfin bon, je sors du bureau, la voiture, elle tombe en panne. Alors, qu'est-ce que je fais? Du stop? Qui c'est qui te... Je tombe sur une femme blonde, comme ça, avec une voiture. Alors, je monte dedans, puis on arrive chez elle. J'ai pas pu téléphoner parce que le téléphone tombe en panne. Alors, on a mangé, on a bu, et puis on a fait l'amour toute la nuit. Ça, Momone, ça, je peux pas te le cacher, toute la nuit. C'était... Alors, évidemment, ce matin, elle dit, oh, t'as fatigué un petit peu. Et puis alors, au petit jour, je dis, oh, quelle heure est-il donc? Momone qui va se faire du souci, je saute par la fenêtre, me v'là que j'arrive, me v'là. C'est super bain. Oui, ah oui, maman. Super bain, tu te fous de moi, tu te fous de moi. Oh non. Ça fait 25 ans que tu essayes de me faire passer pour une imbécile et tu crois que tu vas y arriver maintenant avec tes salades. Non. Mais non, t'as vu la craie bleue partout là? Oui. Hein? Eh ben oui. Dis-le que t'étais avec tes copains au billard, dis-le. Oui, maman, je savais que ça marcherait pas, mon mensonge. Oui, maman, j'ai passé la nuit au billard. Tu m'en veux pas dire, maman. Ah, maman. Maman. Le bêtisier. Quatre mille francs. Oui, si c'est pas malheureux de donner la chance à l'État, qui sait, on sait même pas ce qu'il va en faire. Alors que moi, avec 4 000 francs, je vous fais un costume. Sur mesure. Oh, chiche. Non, mais sur mesure pour toi. Sur mesure. Alors attends, de ma part, tu vas voir l'agence Daniel. Non, pas Daniel. Putain de... On va y aller, on recommence. Allez, la
avait trop piqué, surpiqué et tout, hein. Arrête, arrête, arrête. Quoi? Quand j'ai penché la tête, le truc m'est tombé comme ça. Eh mais, le pot, il est tombé sur la course, là, hein. Ah, tu vas de ma part voir l'agence. Laquelle? Ben dis-le. Je vois. Alors, vous êtes. Non, est-ce qu'on peut recommencer? On va la refaire, hein. On va la refaire, là, parce que. Oui, je suis décalé, là, à l'âge, non. Alors, attends. Ah, tu vas. Tu vas de ma part voir l'agence. Regarde, viens. Répétition d'une scène d'amour. Ça fait mal au bras. Répétition. Non, il m'a planté. Oh, j'ai rien dit. C'est elle, elle connaît pas son texte, non, forcément. Forcément, à prendre des stars du porno, alors évidemment. Outrage à magistrat. Faites sortir le prévenu! C'est le point. Merde, c'est pas mon texte. Excuse-moi. Je me suis planté dans le zone règlement, bordel. C'est pas mon texte! Moi, je te donne ta robe, ma vote. Moi, c'est qu'un vote, vote. Je vais être en retard, je vais être en... Je confirme, hein, c'est des vrais. Nadine, mettez le pot de chauffe sur la tête, là, derrière le Père Noël. Ouah, allez-y. Nadine, pour le bon classique.